Merci bien de prendre le temps de nous écouter. Tout d'abord, je me nomme. Mon nom est Martin Caron. Je suis président général de l'Union des producteurs agricoles et je suis producteur laitier et céréales à Louisville, en Mauricie, mais producteur d'orge brassicale, entre autres. Je suis accompagné avec Catherine Saint-Georges, qui est conseillère au niveau de la commercialisation à l'UPA. Et Catherine va avoir le soin de, si vous avez des questions, va être avec moi, entre autres, pour répondre aux questions en lien avec la mémoire qu'on a déposée. L'Union des producteurs agricoles est présente dans toutes les régions du Québec, bien ancrée naturellement dans le territoire. L'Union, c'est 42 000 agriculteurs et agricultrices qui exploitent plus de 29 000 entreprises agricoles, majoritairement familiales, et qui emploient 56 400 personnes. Chaque année, ils investissent 1,2 milliard de dollars dans l'économie régionale du Québec. En 2021, le secteur agricole québécois a généré 11,1 milliards de dollars de recettes, ce qui fait la plus importante activité du secteur primaire du Québec et un des acteurs économiques de premier plan. L'UPA, mais ça regroupe 12 fédérations régionales et 25 groupes spécialisés. Puis je tiens à remercier le gouvernement pour la tenue de cette consultation pour nous permettre de présenter les points de vue des producteurs agricoles et le développement de la filière des boissons alcooliques. Le secteur de la fabrication artisanale de l'alcool est en forte croissance. De 2007 à 2021, le nombre de titulaires de permis de production artisanale est passé de 147 à 303 titulaires. Le permis est détenu par des producteurs agricoles qui produisent des alcools à partir des matières premières qu'ils cultivent, comme les pommes, les raisins, l'érable, le miel et les petits fruits. Le secteur des alcools contribue à l'essor du secteur agroalimentaire dans toutes les régions du Québec par la production, la transformation, la distribution et la vente de ces produits. Dans le cadre de cet exercice, nous avons consulté les producteurs d'alcool et leurs associations ainsi que nos affiliés. Ce que nous vous présentons est le fruit d'une réflexion. Tout d'abord, nous sommes favorables à la mise en commun et le savoir de l'expertise au profit de la filière. Toutefois, certaines demandes auprès du gouvernement sont toujours en suspens et touchent notamment les règlements de mise en marché. Comme précisé dans le mémoire transmis dans le cadre de cette consultation, je fais la référence ici à la distribution par un tiers, l'abolition du système de marquage des bouteilles, l'assouplissement de la directive des ventes des marchés publics, la fermentation partielle et fortification, l'accès aux données sectorielles, la fabrication de boissons alcooliques artisanales et de spiritueux à partir de d'autres matières premières fermentescibles, l'achat de matières premières pour des artisans jusqu'à la hauteur de ce qu'ils cultivent et la révision des permis des allègements réglementaires. Je sais que c'était le lien, entre autres, qu'on va parler de formation, mais pour nous, c'était vraiment important de dire, à travers ça, il y a quand même ces aspects-là, puis c'est des gros enjeux que font face notre secteur. Puis, concernant les éléments de discussion soumis dans le document de référence, nous tenons à mentionner que nous sommes favorables à la mise sur pied d'une entité qui encouragerait la concertation de tous les maillons de la filière. Il serait avantageux que les différentes organisations travaillent ensemble sur les enjeux propres ou des projets communs, aussi à faire circuler l'information et favoriser le transfert technologique. Nous sommes également en faveur des partenariats québécois, canadiens et internationaux si l'expertise n'est pas disponible et accessible ici. D'ailleurs, un inventaire des ressources existantes au pays devrait être réalisé. Dans un autre ordre d'idées, il est important de soutenir l'innovation, la recherche et le développement afin que les producteurs de boissons alcooliques soient compétitifs et que leur équipement soit adapté au climat et au modèle d'affaires québécois. Et pour améliorer les performances de nos entreprises qui sont en compétition avec le monde, il faudrait permettre le développement de nouveaux produits pour répondre aux goûts des consommateurs en faisant évoluer le cadre réglementaire diligemment pour suivre les nouvelles tendances. D'autre part, nous avons noté qu'à l'heure actuelle, peu de services conseils spécialisés sont accessibles, alors que les accompagnements sont très utiles pour les entreprises qui sont en démarrage. Les besoins étant bien connus, il serait pertinent de mettre en place un réseau provincial d'expertise. Une préoccupation importante qui nous a été soulevée concerne le manque d'accès à une formation approfondie à vinification. Pour se perfectionner, il faut séjourner à l'étranger. Les besoins de formation sont grands. Évidemment,
Il est possible de ne pas vous parler de la pénurie de la main. Il n'est impossible de ne vous parler de la pénurie de main-d'œuvre, d'où l'importance de soutenir l'innovation, l'acquisition d'équipements ou de faciliter l'accès aux travailleurs étrangers temporaires. Il faut aussi travailler sur la valorisation de la profession et des produits du Québec. Bien que des outils soient déjà en place avec Aliments du Québec ou avec la SAAC, avec des identifiants, il faut en faire plus. Les boissons alcooliques d'ici doivent être favorisées dans les achats institutionnels et intégrées dans un cursus scolaire des écoles de formation en sommellerie, par exemple. Le gouvernement pourrait jouer un rôle plus important favorisant davantage les boissons alcooliques fabriquées avec la matière première cultivée au Québec. Pensons notamment à la filière des microbrasseries ou des microdistilleries. En parlant du gouvernement, la mise sur pied et le maintien de programmes d'aide ainsi que l'assouplissement réglementaire sont des conditions essentielles au développement de l'industrie. Finalement, il existe peu d'accompagnement pour appuyer les efforts de commercialisation, notamment concernant le développement de l'agrotourisme ou de l'acquisition des aptitudes au niveau du comportement des consommateurs. En conclusion, les demandes et recommandations que nous avons présentées favoriseront les producteurs artisanaux en leur fournissant des outils pour développer leur entreprise de manière durable et générer des retombées économiques dans toutes les régions du Québec. Merci. On a du stock, on commence avec toi, Liane. Oui, bien, je vais peut-être revenir à ce que vous avez dit pour... Parfait. Oui, je peux y aller. OK, parfait. Donc, tout ce qui est les efforts pour appuyer la commercialisation. Donc, vous avez parlé de sommellerie et puis le comportement des consommateurs. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, justement, qui pourrait améliorer donc l'offre de sommellerie ou encore peut-être de la recherche sur les comportements du consommateur qui pourrait venir vous soutenir, en fait? Parce qu'il y a déjà, évidemment, donc, des programmes de sommellerie qui existent, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour venir appuyer donc, vos producteurs? Comme dans les écoles de formation de sommellerie, il y a très peu de contact avec les associations de producteurs ou les producteurs directement, fait que ça pourrait être une piste d'inviter les groupes de producteurs à présenter. C'est les mieux placés pour parler... Est-ce que vous m'entendez bien avec le masque? Oui, oui. OK. Donc, c'est les mieux placés pour parler du produit, comment le consommer, comment il est fabriqué aussi, puis les distinctions aussi pour mieux le vendre. Puis c'est sûr, au niveau du comportement du consommateur, on parle plus d'études de mise en marché, de nos tourismes, vraiment comment appuyer les producteurs à mieux vendre leurs produits, parce qu'eux sont spécialisés dans la production, dans la transformation, mais il faut aussi qu'ils soient capables de le vendre, le produit, puis de bien en parler pour assurer la commercialisation. Fait que ça peut être à ce niveau-là aussi. Donc, en fait, l'idée, ce serait vraiment de travailler avec les associations pour faire venir des intervenants, puis éventuellement leur questionner par rapport à leurs besoins spécifiques face au comportement du consommateur et partir de ça, en fait. Et si je peux me permettre, par rapport à cette évaluation-là, ce sondage-là qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin, ça va permettre vraiment à l'ensemble du secteur de se développer et même autant au niveau du gouvernement à prendre des décisions. Tantôt, on vous parlait des achats au niveau institutionnel, mais si on est capable vraiment de cibler ces éléments-là, puis par rapport aux consommateurs, entre autres, je pense que tout le monde va être gagnant là-dedans. OK. Alors, là, j'ai Jean-Paul, puis après Martin. On ne se battra pas, j'y vais. Tantôt, vous avez mentionné que vous vouliez créer, en somme, un réseau provincial d'expertise, mais... Est-ce que le réseau AgriConseil ne répond pas à ça? On connaît le réseau AgriConseil. Par contre, il y a très peu de spécialistes pour accompagner des producteurs d'alcool, que ce soit au champ jusqu'à la transformation. Mais ça serait exactement un réseau approprié pour faire un inventaire des spécialistes pour appuyer les producteurs. Ça fait partie aux associations des questions qu'on reçoit le plus auprès de gens qui sont en démarrage. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'accompagner pour fabriquer ma bâtisse, par exemple, ou pour mes équipements? Donc, ce genre d'accompagnement-là, il n'est pas très disponible en ce moment, mais il y a des besoins. Mais est-ce qu'il y aurait besoin de faire une... Peut-être juste en ajout, vous mentionnez, comme Catherine l'a dit, les réseaux AgriConseil sont là. Mais l'expertise n'est pas nécessairement là partout sur le territoire. Puis ça, c'est un défi, c'est un enjeu. Puis dans d'autres secteurs, bien, il y a des clubs d'encadrement technique qui sont vraiment spécialisés, qui sont en lien avec
naturellement le réseau Agri-Conseil. Parce que le réseau Agri-Conseil, c'est surtout, avant toute chose, d'avoir des budgets pour être capable de soutenir les producteurs. Mais si on n'a pas les conseillers, le répertoire des conseillers puis le répertoire d'expertise, ça, je pense, avec ce secteur-là, il faut aller vraiment beaucoup plus loin et d'avoir un club d'encadrement technique vraiment précisé. Je pense que ça serait une plus-value. Puis c'est des demandes qu'on a de nos producteurs. Mais donc à ce moment-là, toujours en continuant là-dessus, est-ce qu'à ce moment-là, au niveau du réseau Agri-Conseil, il y a comme une mauvaise communication entre le réseau Agri-Conseil et les producteurs? Il n'y a pas nécessairement, c'est le manque d'expertise ou de gens, des professionnels qui sont là pour donner le conseil. Puis je vous le dis, on est vraiment dans un bon temps présentement pour parler de ça, parce qu'avec la prochaine entente du cadre stratégique fédéral-provincial, mm-hmm. il y a une ouverture qu'on accompagne davantage des producteurs face au changement climatique puis tous les impacts au niveau environnemental. Donc, ce serait vraiment important de créer cette base-là, de cette expertise-là, d'autant plus intéressant d'aller chercher peut-être des centres d'expertise aussi, qui vont être capables de faire descendre, entre autres, ou de faire atterrir toutes ces connaissances-là et de faire le lien avec les producteurs agricoles. Merci. Merci. Oui, je ramenais ça à l'Orge Brassicole, étant donné que vous êtes producteur. Je voulais savoir quel type de formation ou de support les producteurs d'Orge Brassicole auraient besoin en priorité. On en a parlé un peu ce matin avec un autre intervenant, mais selon vous, ce serait quoi les besoins en priorité? Mais présentement, je pense qu'on a des clubs agro qui sont sur le terrain. On a des agronomes qui sont là qui nous soutiennent quand même bien là-dessus, sur le côté formation. Il y a tout le volet d'assurance récolte aussi, parce que quand je décide de mettre un produit, là, je sais que je déroge un petit peu de la formation, de l'éducation, mais il reste quand même, il y a ce soutien-là. Mais les nouvelles pratiques agricoles aussi, comment qu'on peut être plus compétitif, performant, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et ça, on a besoin. Et on développe aussi beaucoup avec des nouvelles adaptations, que ce soit dans le bio, production bio aussi. Mmh. Ça, donc, il faut aller vraiment à investir par rapport à la recherche et au développement là-dessus et avoir des cultivars aussi, peut-être de nouveaux cultivars qui soient développés pour nous permettre d'aller plus loin. Puis, juste le même sujet, très rapidement, on a déjà entendu parler dans le milieu brassicole, qu'il y a souvent de l'orge brassicole produite au Québec qui se fait refuser, rendue aux malteries, parce qu'elles n'atteignent pas le grade nécessaire pour se faire transformer en malt. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est un besoin criant, ça? Est-ce que ça arrive? Est-ce que les producteurs se plaignent? Vous entendez ça souvent, que c'est frustrant. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire si c'est problématique? Bien, on l'a mentionné un petit peu dans notre mémoire, l'approche filière est très importante. Oui. Le maillage qu'on peut faire, parce que les gens ont besoin de produits avec un standard, puis nous, en tant que producteurs, on est à la base, mais comment qu'on peut s'assurer? Je reviens un petit peu encore, la formation, l'accompagnement, la recherche, entre autres. C'est que je pense que c'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin. Mais c'est un gros enjeu qu'on a quand même. Là. Comment qu'on peut ensemble développer et d'aller plus loin? Il y a des belles histoires présentement, des belles réussites que je vois à travers le Québec, mais je pense qu'il faut continuer, puis il faut soutenir vraiment nos micro-brasseries, que ce soit au niveau des brasseries ou des distilleries aussi. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, mais il faut être capable d'avoir... Peut-être un centre, tantôt je parlais de centre d'expertise, une filière. Il faut être capable de mettre des choses en place qui vont pérenniser, entre autres, toutes nos actions de chacun des acteurs. Merci beaucoup. Merci. Luc, tu avais des choses? Bien, je vais prêcher pour ma paroisse puis demander un peu la même question. Moi, je suis en distillerie. Quel genre de formation vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez pour à court terme et à long terme? Moi, je vous dirais, c'est qu'il y a un côté technico-économique que je n'ai peut-être pas mentionné tantôt à la question. C'est un des éléments aussi assez essentiel, parce que quand je veux faire un produit puis je veux le transformer jusqu'au bout, entre guillemets, il faut que ça soit rentable. Il faut qu'il y ait une rentabilité si je veux garder au niveau de la pérennité. Et ça, sur ces éléments-là, je pense qu'on devrait avoir davantage le côté technico-économique, à savoir au niveau des coûts. Et quels sont les enjeux ou les endroits qu'on devrait aller faire encore plus davantage de la recherche si on veut rester compétitif? C'est-à-dire que je pense qu'il y a des éléments comme ça qu'on doit aller voir. Qu'est-ce qui se passe peut-être en Ontario, dans d'autres provinces ou même à l'extérieur?
pour ramener cette compétitivité-là. Puis en même temps, bien, il faut avoir un soutien au niveau de l'État parce que bien souvent, il y a des investissements qui sont là, qu'on doit faire et il faut être capable de soutenir. Je pense, tantôt, je le mentionnais, il faut en faire plus, mais il faut mettre ça à la base puis regarder au niveau de la filière, entre autres. OK. Je ne sais pas, Catherine, si tu avais d'autres. Non, c'est parfait. Juste élaborer un petit peu plus sur le côté technico-économique, c'est vraiment sur les coûts de production, qu'est-ce que ça prend comme équipement, combien ça coûte, quels sont les... OK. Oui, exactement. C'est que quand on est capable d'avoir ça, ben on se dit, OK, ben quand j'arrive pour avoir un marché, il y a ça qui bloque là. OK, mais cet enjeu-là, je ne suis pas capable de livrer à tel coût. C'est quoi mes autres options, là? Quelle est la recherche que je peux faire pour entrer et être un joueur? Là. Mais je vous le dis, puis je sais que ça ne rentre pas nécessairement dans votre consultation, mais il y a un côté lourdeur administrative qu'il faut diminuer, parce que ça, c'est de l'argent que les producteurs n'ont pas pour investir dans la recherche et dans le développement. C'est le défi qu'on a présentement. Je vais avoir une dernière question, je pense. Oui, oui, ça va être pas mal. Vous parliez de la recherche tantôt, puis d'avoir des points plus précis. Donc, vous, ce que vous priorisez, ce serait de la recherche ciblée sur des points très délicats dans la production et puis dans la transformation qui serait plus important? Bien, dans tous les secteurs, là, la production, il y a beaucoup de producteurs qui vont chercher des variétés et s'assurer qu'ils soient adaptés à notre climat d'ici, à nos pratiques, puis aussi à nos modèles d'affaires. Avec la forme de mise en marché qu'on a. Donc, je pense que la recherche, elle se fait autant du grain jusqu'à la bouteille, la transformation, les équipements, à tous les niveaux. Là. Il n'y a pas un secteur qui est plus prioritaire qu'un autre. J'ai une dernière question, par contre. J'ai fini. On parlait de la reconnaissance des acquis tantôt par rapport au manque d'expertise, en somme, pour les réseaux. Est-ce que vous pensez que l'Ordre des agronomes devrait... être un peu plus souple à reconnaître les expertises qui viennent de l'étranger? j'ai pas de cas précis à vous donner, mais on sait que plusieurs des producteurs vont recruter ailleurs, donc s'assurer qu'il y a un pont pour que ces gens-là puissent bien intégrer le Québec, arrivent aussi avec leur formation puis puissent être accompagnés pour s'adapter au marché d'ici, là. Mais on sait que c'est un phénomène qu'on constate. Là. Les producteurs ne trouvent pas nécessairement les employés spécialisés ici, puis ils vont recruter ailleurs. Donc, oui, s'il y a un pont, puis si ça passe par l'Ordre des agronomes, ça peut être favorable. OK. Bon. Merci. Merci. Merci beaucoup.